Hello les Wargamers, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit truc et astuce. On va apprendre aujourd'hui à faire des briques de châteaux, de maisons, etc. à un moindre coût. Donc on aura besoin principalement, comme on peut le voir ici, de polystyrène qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage, ainsi que dans les magasins de construction, de matériaux de construction. C'est des trucs d'isolation, c'est des grosses plaques, vous en achetez une, vous avez assez pour pas mal de temps. Il nous faudra des cailloux, des petits cailloux. On verra pourquoi par la suite. Une boîte métallique ou autre, mais bon, métallique c'est pas mal pour ce qu'on va faire avec. Soit vous avez besoin d'un marqueur, d'une latte pour tracer vos briques et ensuite les découper avec un cutter. Ou alors vous utilisez directement un thermocut, ce que je vais utiliser, mais c'est pareil. Donc je vais faire des briques assez grandes qui feront 1,5 sur 2,5 de longueur, donc 2,5 de longueur, de largeur 1,5. Elles seront assez grandes, elles pourront aller pour Warhammer ou pour plein d'autres jeux, Bolt Action, etc. Peu importe la taille, de toute façon, la technique reste la même. Je vais en découper et je vous montre la suite. Alors, comme on peut le voir, moi je vais le faire au thermocut. Donc je vais commencer par la largeur qui sera donc de 1,5 cm. Voilà, donc on va couper ça. Bon, c'est pas évident d'une main. Ensuite, on recoupera sur la longueur à 2,5. Voilà, je vais en couper quelques-unes et après on reviendra. Par contre, pour l'épaisseur, comme je vous ai dit, ça vous prenez vraiment ce que vous voulez. Là, j'ai choisi une grosse épaisseur pour faire des grosses ruines. Donc, je vous en coupe quelques-unes. Et pareil, je vais les couper ensuite sur la longueur, donc à 2,5. On se retrouve juste après. Et donc voilà, on retrouve nos briquettes. Bon, comme on peut le voir, je les ai séparées en deux en fait, parce que au final elles étaient vachement trop épaisses, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas ça qui est prime ici. Donc là on a des espèces de dalles briques, mais c'est pas très réaliste. On peut le voir, les arêtes sont assez dures, on voit bien. Et donc la technique, c'est là que la petite technique vraiment débile et pas chère va commencer. Vous prenez votre boîte. Hop, au métal, peu importe. Des cailloux, vous en mettez dans la boîte. Attention les oreilles. Bon, si je suis gentil, je vous ai coupé le son. Et là, bon, je vais mettre plus de cailloux. Et vous mettez des briquettes, des petites dalles dedans. Voilà, vous mettez tout simplement des petites dalles dedans. Avec d'autres cailloux, je vais mettre d'autres cailloux. Ensuite, vous refermez la boîte. Et vous secouez bien fort, je vais vous épargner ça pour les oreilles. Vous secouez, vous regardez de temps en temps, jusqu'au moment où vous êtes satisfait de l'usure entre guillemets de vos briques. Je vais vous montrer, vous allez comprendre si vous n'avez jamais fait. On se retrouve juste après, un bon petit coup de mélange. Et donc voilà le résultat après un bon petit mélange. Faut y aller, pas hésiter, comme je vous l'ai dit, regardez à plusieurs reprises pour avoir les briques que vous souhaitez. Attendez, je vais essayer de faire la mise au point. Pas évident tout seul. Donc, comme on peut voir, la brique n'a plus les arêtes aussi dures. Regardez la différence. Ça, c'est une brique, oui, que je n'ai pas fait. On peut voir la différence. Différence d'usure. Elle est flagrante. Et là, je vais pas secouer beaucoup. En vrai, au plus vous le faites, au plus ça va abîmer la pierre. Enfin, les dalles. Et vous pouvez le faire bien évidemment avec des briques de toutes les tailles, comme on peut le voir ici. Hop, il y en a une qui essaye de se faire la malle. Ici, c'est des toutes petites briques que j'ai fait pour Bolt Action, pour des décors Bolt Action. Voilà, je sais pas si on va bien voir, mais hop. Je sais pas si on le voit bien à la caméra parce que c'est assez petit, mais les briques sont plutôt réalistes. Voilà. Et donc on peut les mettre sur les décors pour faire ce genre de choses. Comme on peut voir, bien sûr c'est pas peint, mais en gros, voilà, je vais l'approcher. Et on peut faire des briques un peu dans la maison. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce décor, mais c'est vraiment le principe. Voilà, je vous montrer un autre petit décor. Hop. Par exemple. Pareil ici, là on a des petits éboulements d'une maison. Voilà. Donc voilà, c'est un petit tip assez simple à faire, vraiment pas cher. Et là vous n'avez plus qu'à assembler vos petites briques pour en faire des murs ou ce que vous voulez.
Vous avez qu'à construire, coller avec de la colle à bois ou un pistolet à colle, peu importe. Vous construisez vos ruines, voilà. Bon, ici, je les ai fait assez plates, hein. J'aurais peut-être dû les laisser au final un peu plus épaisses. Mais bon, vous les décalez, hein, bien sûr, comme les vrais murs, hop. Et vous pouvez faire quelque chose de vraiment top. Là, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais bon, enfin, vous avez compris le principe. Hein. Et comme je vous ai dit, là, je les ai pas vraiment abîmés beaucoup. Il faut vraiment le faire plus si vous voulez un décor beaucoup plus réaliste. Et des dalles un peu moins plates aussi. Hein. Ça serait parfait en réalité pour faire un sol, un gros sol. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu ou un petit pouce rouge. On se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.